Oh là là, les gens sont des enfants. Un rien les excite, un rien leur fait peur, et ils n'en font qu'à leur tête. On leur dit que fumer tue, ils fument quand même. On leur parle de vitesse réglementée, ils font des pointes à 180. On leur dit de profiter de la vie, et ils meurent. C'est vrai, c'est toujours excitant de désobéir, mais c'est risqué. Bon, bah, c'est le moment d'assurer. Ah, je sais pas comment c'est. Bonjour. Ce client nous vient d'Inde. Amateur de sensations fortes, il s'offre un moment de détente en achetant une place pour un film d'horreur spectaculaire d'une sinistre réputation. Explosion de viscères, démembrement, hémoglobine à gogo. Je vois pas ce que ça a de spectaculaire. Mais bon, le metteur en scène n'y est pas allé de main morte pour empiler les cadavres, à tel point qu'il a pris la précaution d'afficher à l'entrée des cinémas et au début de son film un avertissement aux personnes sensibles. Catégorie de spectateurs à laquelle notre client se croyait sans doute étranger. Y compris quand on l'a retrouvé affalé dans son fauteuil. Mort de peur, au sens strict de l'expression. Le trouillomètre largement en dessous de zéro. Scotché au fil. Vous m'avez fait peur. Popcorn, chocolat, bonbon? Je vais prendre des popcorn. Je vais rester à la séance suivante. Soyez prudent, il serait dommage de se voir plus tôt que prévu. Monsieur? Oui? On ferme? Ah, c'était la dernière séance. Le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, les chocolats glacés.